avez toujours été là. Et merci pour votre fidélité. Moi, je vous le dis du fond du cœur. Merci à tout le monde. Mais mesdames et messieurs, avant de dire merci à quiconque, on va dire merci à l'homme grâce à qui ça a été possible. Et cet homme se trouve dans cette salle. Et je veux, s'il vous plaît, un max d'applaudissements pour le professeur docteur Michel Yaesman qui est là, s'il vous plaît. Yeah. Maintenant, un maximum de bruit aussi pour le lycée moderne de l'URFIS qui est là, guys. Mesdames et messieurs, max de bruit pour Brian One, s'il vous plaît. Salam alaikum, guys. Vous l'avez reconnu, c'est Music and More, fête de la musique. Hein. C'est la fête de la musique de Music and More. Et aujourd'hui, on a des artistes de taille tellement connus au Sénégal que voilà, bah, là, ils sont en train de faire chauffer la salle du Goethe Institut. On a Bouba Kirikou, on a Mao Sidibé, on a Purpose of the Ghostwriter, on a Youssou Makanji et la big star de la soirée, Brahim One, qui est en train de jouer avec Awan Bank sur scène. On a eu aussi l'énorme surprise de voir Hey Yaesman, le professeur docteur Hey Yaesman, directeur du Goethe Institut, qui nous a caché ses talents de guitariste. Mesdames et messieurs, donc vous l'avez compris, Music and More, là, on est dans la loge de Music and More et on va voir les stars qui sont là. Donc on va prendre quelques interviews avec guys. Salam alaikum, ça va guy. Purpose of the Ghostwriter. Ça va guy, Anano Yubari. Chare. Youssou Makanji. Beginane, ça va guys. Music and More. Yeah. Voilà, C'est comme le Malais, c'est toujours un réel bonheur de revenir au Goethe Institut. Parce que musique est mort, et si vous avez musique, nous sommes de beauté. Donc, si vous avez participé, nous mettre la main à la pâte. Nous sommes la culture, nous sommes une initiative culturelle. Donc, voilà, c'est toujours un bonheur d'être là. Dioman. Donc vous l'avez compris, hein, professeur de Ghostwriter, Youssou Makanji, Mao Sidibé, Bouba Kirikou, bon, Brahim One, Awa Meng, Hey Iceman, tout le monde est dans la place, guys. Donc vous l'avez compris, on va voir comment ça va se passer dedans. Et là, on vous revient vite fait. Bravo. Ce gars-là, moi je pense que son niveau dépasse vraiment le Sénégal. Sérieusement. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la musique. Je connais beaucoup de musiciens dans le monde.
Mais un gars comme lui, humble, gentil, bon, c'est vrai que c'est un petit bandit, mais Mashallah, Mashallah. Je sais que c'est ta mère, Mashallah, Mashallah, Mashallah. Je vous demande de l'applaudir. Il est très fort. Faites du bruit pour Bouba aussi, s'il vous plaît. Merci à tout le monde et à la prochaine. Dans la mouvance musicalement, guys, on reçoit une star planétaire du nom de Mao Sidibé. Mao, t'as chauffé la salle, Mao. Ah, ben c'est les gens qui étaient chauds. Hein. Ils étaient déjà chauds, donc après c'était cool, quoi. Moi, je suis venu faire la fête comme mes copains artistes, et puis les étudiants qui sont là, et puis les gens du public qui étaient là aussi. Et voilà, non, c'était très sympa l'ambiance et tout ça, quoi. Il en faut plus des concerts comme ça, je pense, à Dakar. Et voilà, quoi. Continuons, Musicalement, on fait de la musique, édition spéciale avec la star de la soirée, son excellence, Sa Majesté Brahim One. Brahim, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Joe, dis-moi, on a vu qu'il y a eu une ambiance de dingue. Hein. On n'a jamais vu ça dans le musicalement, il faut le dire. Il y a Shirlo, il y a eu Khalam. On n'a pas vu ce genre de truc, hein. On n'a jamais vu ça. Je me dis que quand on rassemble plein d'artistes comme ça, aussi talentueux, aussi avec autant de renommée, c'est normal qu'il y ait une ambiance de malade, quoi. Et donc, comment ça s'est préparé? Il y a eu du stress, il y a eu du souci, ça a été difficile. Bon, explique-nous un peu. En fait, de mon côté, j'avoue que j'ai eu un petit stress au début parce que c'était la première fois que je joue mes compositions devant un public. Et voilà, avec une band et avec autant de personnes qui sont peut-être venues voir quelqu'un d'autre. Mais voilà quoi, et j'ai été agréablement surpris de voir à quel point les gens sont réactifs et comment ils sont ouverts par rapport à ce qu'ils écoutent, et ça me fait vraiment plaisir. Et on a noté aussi une petite touche de, comment on va dire, d'émotion. Quand on a vu qu'il y avait des parents qui étaient là, il y a des amis que tu n'avais pas vu depuis très longtemps qui étaient là aussi. Ça t'a fait quoi? Ben, ça m'a fait un immense plaisir d'avoir mes parents à côté, d'avoir tous les gens que j'aime à côté. Il y a même un moment, je ne sais pas si tu as vu, je faisais un solo et voilà quoi, j'étais un peu au bord des larmes parce que c'était la première fois, j'étais ému de jouer mes compositions. Et le dernier mot que j'aurais à dire pour Musical Mort, c'est un très grand merci. Merci de m'avoir offert cette opportunité de me présenter, de m'avoir prêté la salle pour répéter, voilà quoi. Moi, j'aimerais vraiment remercier le directeur du GOAT, Michel Yaisman. J'aimerais te remercier toi, merci à Ousmane, merci aux techniciens et surtout merci à mes musiciens qui ont été là pour moi, qui ont sacrifié leur temps, leur énergie pour venir répéter avec moi et me donner l'opportunité parce que à moi seul, je ne peux rien faire. Donc, c'est parce que j'ai eu de très bons musiciens derrière moi
et c'est ce qui a augmenté l'ampleur de la chose. Donc voilà, donc merci à vous les gars, merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup Brahim et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Super, donc Musique & More avec Brahim, c'était sa première au Goethe Institute et ça a été du lourd, ça a été chaud. Et on va lui souhaiter toutes les bonnes choses du monde hein, pour que ça soit un immense succès. Et ça le sera parce que nous, on porte chance, Brahim. Et ça, tu vas voir ça. Musique & More, édition spéciale, hein, fête de la musique. Ça a été avec Pepe Seu, Mao Sidibé, Bouba Kirikou, Youssou Makanji et aussi la star de la soirée, Brahim One, qui a joué. Sa Majesté, moi, je l'appelle. Donc, qui a été là, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait chanter et danser avec tous les autres. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à ce charmant public qui a été là. Merci beaucoup aussi au directeur du Goethe Institut, sans qui rien ne serait fait. Et voilà, donc merci beaucoup à vous, chers amis internautes. Et là, rendez-vous pour, pour l'année prochaine, on va dire, parce que c'était la dernière date. Donc, on se retrouve au mois de février 2017 avec du nouveau. Et là, restez branchés et connectés. Bra! Well, I had a dream last night. Different people being together in the same streets, in the same town. Though that love has no price, but I had a dream. It was just a dream. Yeah, so let me hear. But I had a dream. It's just a dream. So let me hear, but I had a dream, it was just a dream. Oh, so let me hear, but I had a dream, it was just a dream.